Je m'appelle Émilie Glisson, j'ai 26 ans, je suis autrice BD depuis un an. Je fais de la jeunesse, de la presse, j'adore ça, et je travaille deux jours dans une maison d'édition de bande dessinée indépendante, histoire d'être toujours bien entourée, d'être toujours dans le monde de la BD, d'avoir un pied dedans. Ouais. Et alors le souvenir le plus lointain que j'ai, c'est peut-être à 3 ans, voilà, bêtement, je dessinais. Ma première BD, je l'ai faite à 8 ans, je suis retombée dessus, et à partir de là, en fait, tous mes cours de maths, de français, enfin, l'école me servait à remplir de marges de dessin et à raconter des histoires pour moi et mes potes, jusqu'à maintenant en fait. Maintenant, j'essaye d'élargir un peu mon lectorat. Mais ouais, c'était une évidence depuis toujours. Alors j'ai fait un lycée art plastique option Lourdes, qui a déjà été un coup de foudre enfin, dès le début, et de là j'ai fait une prépa qui m'a amenée aux arts décoratifs de Strasbourg. 5 ans là-bas, où au bout de 2 ans, je me suis vraiment lancée dans la BD à fond, et je n'ai fait plus que ça. Ouais. Alors, en dernière année aux Arts Déco, on te demande de faire un diplôme, de montrer des projets, et j'en avais beaucoup qui ne me menaient nulle part. Et à un mois, en fait, du jury et du diplôme, je me suis dit, bon, il faudrait que je parle d'un truc qui me tient vraiment à cœur, que je n'ai jamais osé exprimer, qui me parle donc de mon frère, qui est autiste Asperger, tête drôle de coco. Et j'ai pondu les 25 premières pages sans réfléchir où c'était, à la base, un projet que je voulais faire pour faire rire mes parents, tout bêtement, à une époque où mon frère était au plus bas, mes parents aussi, et je voulais prendre du recul pour montrer une autre vision de ce qu'on vivait tous les jours. Ouais. Tout m'inspire dans un sens, que ce soit je sais pas, une pièce de Monet par terre, une musique que j'écoute, un mec qui tombe. Et j'essaye de toujours tourner en dérision, sans moquerie, le monde autour de moi, de manière à ramener en BD une espèce de réalité qui me permet de voyager dans un sens, où mon dessin est finalement très terre à terre, mais un peu barré, parce que c'est comme ça que je vois le monde, tout bêtement. Toujours très édulcoré, toujours j'essaye d'être optimiste au maximum. Et de voir le bon côté de la chose, Hakuna Matata, c'est mon motto. Alors mon style de dessin peut être assez particulier, si ce n'est étonnant pour beaucoup de gens, parce que je pousse à mort en fait la gestuelle. J'ai besoin que mon dessin bouge, vive, j'ai besoin de ressentir en fait une ambiance, même une musique quand je dessine. Je privilégie les couleurs parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez autour de moi. Tout le monde est assez terne, gris. Et la BD me permet d'exploser de couleurs quand je veux et de montrer un monde complètement carnavalesque et un peu foufou. Mes références éventuellement, c'est vrai que plus que de la BD, donc j'ai des références assez de base, quoi, comme Philémon de Fred ou Jodorowsky avec ses fables paniques, mais c'est surtout le côté cartoonesque. La télé, c'était ma meilleure amie bêtement quand j'étais jeune. Je passais vraiment beaucoup de temps devant, et donc tout ce qui est Tex Avery, Looney Tunes, Disney Channel, c'était dingue, quoi. Je pense que je m'en suis inspirée inconsciemment. Pour moi, un bon dessin, je pense que c'est un dessin qui pourrait être imprimé en 2 mètres sur 4 comme en 1 cm sur 2, qui puisse claquer dès le premier regard. J'aime beaucoup les dessins qui racontent une histoire en une image. Je trouve ça super dur. Aux Arts Déco, c'était beaucoup d'exercices. Soit raconter une histoire en 200 pages, ou raconter la même histoire en une image. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir faire prodiguer toute une narration assez dingue avec un petit cadre comme ça. On me parle souvent de syndrome de Stendhal, où t'es devant une image et t'es là genre tu te mets à pleurer et tout, tellement c'est dingue. Et ça m'est arrivé 2 fois, devant Georges Condot et devant Kees Van Dongen, qui sont 2 peintres extraordinaires. Et j'arrive jamais à en parler tellement. Enfin, l'émotion vient dès que j'ai ces images en tête qui m'arrivent, et c'est des portraits en fait. Je pense que j'ai besoin... les paysages, ça m'ennuie un peu. Ça m'ennuie même carrément, alors que les portraits, enfin, la race humaine est tellement impressionnante, tu peux faire ce que tu veux avec, la représenter comme tu veux. Et donc ouais, je dirais un beau portrait pour finir. Alors une des planches qui me vient vraiment en tête dans Tête drôle de coco, c'est vers la fin, quand mon Ted est déjà médicamenté et suit un traitement assez lourd. Et un moment qui se passait beaucoup dans ma famille, c'est que même s'il était là, on parlait comme s'il n'était pas, il était toujours absent. Donc c'est un damier que j'ai fait dans cette planche, où on voit d'une part Ted, mais se goinfrer de tous les médicaments qu'il est obligé de prendre, et en même temps la conversation un peu houleuse entre les deux parents, la sœur qui se casse et qui parle vraiment de lui à la troisième personne comme s'il n'existait pas. Et à la fin, j'ai voulu montrer en fait l'horreur que c'est de toujours se sentir effacé par une petite phrase, donc à la fin, où il dit ils omettent que c'est ultra pas esthétique du tout. Et bon, c'était la blague, parce qu'il me faut des blagues dedans, mais elle me semble super importante, ouais, cette planche.